Nathalie Baye a resté très discrète depuis la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre dernier, puis la révélation polémique de son testament. Dans les colonnes du journal du dimanche ce 4 mars pourtant, l'actrice a eu une attention émouvante pour le père de sa fille Laura Smet. Pour les besoins de sa playlist personnalisée, Nathalie Baye a choisi trois chansons, dont une musique de Johnny Hallyday, intitulée La mort d'Ophélie. Une ballade merveilleuse écrite par Mor Schumann. Je ne m'en lasse jamais, a-t-elle commenté sobrement à nos confrères. Si de très nombreuses personnalités se sont exprimées sur l'héritage de Johnny Hallyday, prenant soit la défense de ses enfants Laura Smet et David Hallyday ou celle de sa dernière épouse Laetitia Hallyday, Nathalie Baye a choisi de donner que très peu d'interviews. Une décision claire et à laquelle elle ne compte pas déroger. L'ex-compagne du taulier ne compte pas prendre parti dans cette affaire, même si elle reste très proche de sa fille. J'ai vu Nathalie Baye, la mère de Laura ce matin, a déclaré la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosque sur le plateau de Touche pas à mon poste le 20 février dernier. Elle m'a dit je laisse les avocats faire leur travail, je ne m'exprimerai pas dessus.